Bonjour à tous. J'espère que ça va à tous et à toutes, bien sûr. Hop, on va se mettre sur la bonne scène. Baisser un peu la musique. Voilà, c'est bien comme ça. Histoire qu'on s'entende parler. Et bah, salut. Bon. Si je suis pas... Ouais, Mehdi. J'espère que ça va. En ce matin. Bon, moi, c'est trop tôt, mais bon, c'est pas grave. Donc, ouais, premier stream du matin. On va essayer de faire ça un peu tous les jours. Matin et après-midi. Même si c'est difficile. Enfin, si c'est trop chiant, on verra. Mais... Voilà. J'espère que vous entendez... Vous entendez bien avec la musique, ou bien je vais baisser un petit peu. Exactement, la Yes Life, putain. Là, bah, il faut, hein, c'est. Sinon. Ouais, c'en est fini du rythme de merde. Mais c'est faux en fait, parce que ça va continuer. Mais toi aussi, la Yes Life en fait. La France épuisée avec le. Ouais, c'est ça. Avec la guerre des pixels, incroyable. Nous y fûmes, nous y étions. On y était. Oui, ça veut rien dire. Ouais, c'était marrant. Mais c'est marrant, j'avais pas du tout capté que ça. Enfin, comme j'étais chez Pim last weekend, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça cool, mais j'avais pas du tout vu que ça avait pris une ampleur comme ça sur Twitch, et j'ai vu en revenant hier soir. C'est incroyable, genre 400 000 viewers sur Kameto, ouais, c'est ça. Le général. Contre les Espagnols, là. Ils baillent. Ouais, c'était marrant. Même si malheureusement, à la fin, tout a été détruit. Mais oui. Enfin, par contre, il y a eu de la. Je suis passé sur Twitter tout à l'heure, il y a eu de la récupération politique sur la guerre de drapeaux là, ça m'a saoulé. Mais bon. Bref. C'est pas grave. Oui, bah c'est ça. Mais c'est rigolo quand même. C'était une démonstration d'un système anarchique, bien sûr. C'est faux. Ouais. Au lieu que je dise de la merde, faut que je prenne l'habitude de regarder la cam. Bonjour. On va partir. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Mais alors, j'ai reçu mon nouveau micro ce matin. Mais j'ai pas eu le temps du tout de le déballer et d'installer le truc. Parce que, genre. Globalement, je me suis levé, je me suis lavé, j'ai mangé et je suis arrivé quoi. Mais ok, bah let's go. Non, mais de toute façon, ça sera surtout important avec le nouveau micro. Ah, forcément. Ils arrivent à gueuler plus fort que. C'était quoi? C'était Caris dans tes oreilles. Mais ouais, bah force, hein, force la réunion. Bon, on va partir directement. En fait, après j'ai dit ça. Merde, on n'est pas sûr. Voilà. Ouais, je comprends. Normal. Mais oui. Donc on va peut-être pour le micro, on va peut-être voir cet après-midi. Mais en fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai peut-être pas assez de port USB sur mon PC. Donc il faudrait peut-être que je chope un hub USB avant de mettre le micro. Ou alors ou ouais. Limite on pourra tester cet après-midi parce que vu que je joue avec une manette sans fil. La seconde ça. J'aurais pas besoin de ma souris, je pourrais la débrancher. Ouais, ok, bah force, hein. Et bah, de toute façon, là, quand tu veux. Bon, bah, commençons. Alors, pour. Je vais. J'espère juste. Non, si, c'est bien.
baisser un petit peu la musique parce que moi aussi ça va me déconcentrer après. Surtout j'aimais la musique d'Undertale, je connais. Bref. Oui, donc pour montrer vite fait ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on voulait faire un petit jeu de boss fight tranquillou. Ou en gros en vue de dessus, en mode plus tard peut-être Twin Stick Shooter, bah on va y arriver. Donc globalement, par exemple je vais prendre cette manette là. On prend la manette et le gameplay ça va être... bon, il va y avoir un peu plus de boutons. Mais ça va être principalement bouger le personnage avec un stick et le tourner avec un autre. Mais en vrai, ce qu'on avait testé avec juste avec la souris pour le dev, ça me plaît bien en fait. Le fait que, en fait, vu que le personnage du coup il est toujours dans la direction de la souris, bah, ça fait toujours l'effet un peu twin stick shooter, mais en fait ça donne un effet un peu comme si tu verrouillais sur une position et tu peux tourner autour de la position facilement et je trouve ça cool. Donc on verra ce qu'on va faire. Faudra voir pour adapter le gameplay manette histoire que ça marche bien. Parce que évidemment on va pas déplacer un curseur à la manette, ça va être horrible. Donc on avait ça. On avait créé une petite attaque. Bon, il y a des erreurs de script missing que j'avais oublié de retirer du modèle, c'est pas grave. Donc on avait fait une petite attaque qui est pour l'instant juste une animation qu'on peut spammer, qu'on peut voilà. Alors on verra justement pour les timings parce que là le feeling il est ok mais c'est pas exactement ce que je veux. Donc voilà. On avait fait un dash qu'il faudra qu'on améliore. Alors c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on se concentre un petit peu sur le boss histoire d'avoir une petite base de gameplay. Mais voilà, on peut courir, hop, dasher, voilà. Ça servira pour faire des esquives. Et on avait un autre truc qui est bah, on peut tirer des projectiles. Alors là c'est pareil, on va l'améliorer. Hein. Faudra mettre une animation et faudra changer le projectile histoire que bah, en gros ce que je veux faire c'est globalement le personnage là, il est avec sa grosse épée et bah, il va faire un genre de voilà. Un genre de balayage vertical et ça va faire un truc. Et voilà, donc forcément, il va y avoir une petite animation. Et en fait, on va faire en sorte juste qu'il y a un mini cooldown sur le projectile. En tout cas, un cooldown un peu plus long. Parce que là, il n'y en a pas en fait. Je peux spammer, je suis limité. Alors, c'est clip molette, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais pour l'instant. Ouais, on mettra un petit cooldown histoire que ce soit pas complètement pété, mais en gros le but de ce projectile ce sera, enfin, disons qu'on va essayer de faire en sorte que le truc principal pour taper les boss, bon, on verra. En gros il y aura soit un coup qu'on peut un peu spammer mais qui sera dangereux, soit un projectile qui sera plus safe, qui fera bah, plus de dégâts qu'un coup mais qui sera plus lent. Et puis le dash, on verra si le dash on met. Ça serait peut-être sympathique aussi de faire. Déjà, on va mettre un cooldown et puis. Je sais pas. Pour l'anime, déjà, il y aura une animation et peut-être qu'on va mettre une attaque dessus, un truc comme ça. Genre, j'avais. Alors, j'ai pas réglé le problème des animations d'autre fois. Ce week-end, j'ai pas eu le temps, j'étais pas chez moi. Voilà. Les responsables se reconnaîtront, bien sûr. Non, mais, enfin, bon week-end pour moi, j'espère que pour vous c'était bien. Même si on est mardi, hein, mais. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour l'instant, là, dans les 2 heures qu'on a. Bon, du coup, je bouffe un peu de temps, hein, désolé, mais c'est pour bien expliquer. On voulait, du coup, à la base, ça va être un jeu. On verra combien on en mettra de niveau ou de boss. Peut-être juste un. Peut-être deux, peut-être trois, je sais pas. Mais en tout cas pour le premier des peut-être juste un, on va juste faire un boss justement qui sera un peu peut-être un peu tuto, un peu mais sympathique quand même. Juste il va, en fait si on fera une arène, une vraie arène, et
il y aura le boss autour et il va pas bouger. On va dire que on dira qu'il est enchaîné, machin. Après, ça serait rigolo parce que du coup, on pourrait peut-être faire une phase 2 où il se déchaîne. Mais bon, bref. Et donc, ce sera. Je vais vous montrer le modèle. Encore un modèle d'asset que j'avais hein, à ma disposition. Tac tac. Bon, je vais le taper, ça vous spoil, hein, mais. Hop, c'est celui-là. Alors là, on va le voir sans. Ah merde, c'est directement le modèle. Bon. Ouais. Là, on va le voir sans ses textures parce qu'il a pas le bon matériel dessus, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Au moins, ça vous spoil pas entièrement. En gros, ça va être un dragon. Et donc, est-ce que j'ai un paint? Oui. Voilà. Vous avez pas vu de truc bizarre. Donc en gros, on aura notre arène. On aura le perso qui peut se déplacer, faire ses trucs. Et on aura notre dragon là. Et globalement, il va tourner juste pour l'instant être immobile, vraiment. Essayer de viser le joueur. Et on va essayer de faire quelques patterns de projectiles, donc des trucs. Bon, ça sera pas un pattern comme ça, mais genre peut-être des trucs sinusoïdaux, ou des trucs tout droit avec plein de projectiles, je sais pas, par exemple balancer en cône, et on essaiera de faire des zones. Voilà. Donc je sais pas si on va avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui. Je préfère rien vous promettre parce que la dernière fois, je vous avais dit on fait le personnage et le boss, et on a fait que le personnage. Et encore. En même temps, il y avait eu des bugs, mais de toute façon, on est chill. Justement, vu que c'est pour ça aussi, vu que je sais que en stream, on sait pas, c'est peut-être un peu plus lent parce que on peut discuter. Moi, je vous explique des trucs, vous pouvez m'apprendre des trucs aussi, c'est cool. Et du coup, on met un tout petit peu plus de temps à dev. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en gros, ce qui va être intéressant là, ça va être d'être régulier. Je vous explique parce que c'est le premier. Hein. Et, bon, je réexpliquerai peut-être d'autres jours parce qu'il y aura des nouveaux gens forcément. Enfin, j'espère. On essaiera de faire. Là, on va être sur deux demi-journées, même si le matin ça sera toujours plus court en fait. Du coup, là, le matin, on commence aujourd'hui par du dev et cet après-midi, on fera du jeu. Demain, on verra. Selon ce que je préfère, mais en gros, on va aussi. Déjà, on va faire au moins une demi-journée de dev tous les jours. Et on alternera. Des fois, ce sera le matin, des fois, ce sera l'après-midi. Comme ça compensera parce que le matin, c'est un peu plus court. Voilà, ceux qui veulent surtout du dev seront pas lésés par rapport à ceux qui veulent surtout du jeu, etc. Et puis, moi, il y aura des jours où j'aurai plus envie de dev, il y aura des jours où j'aurai plus envie de jouer. Bon, là, je suis motivé pour les deux, bien sûr, mais je préférais. C'était mieux le matin, là. Du coup voilà, donc il y a le truc. Alors on a remarqué la dernière fois que sur l'éditeur ça laguait un peu quand je bougeais la souris, mais en fait c'est vraiment la faute de Unity. Hein. Si je build et que je lance le jeu en externe, enfin que je build et que je le lance quoi, si de toute façon vous savez de quoi je veux parler, ça marche très bien, il y a zéro problème. C'est juste, je sais pas, des trucs inhérents à l'éditeur. Donc, alors on va virer. Ah oui, c'est parce qu'il y a un script missing. On s'en fout. Alors, je vais juste voir ce qui. Ouais, non, on s'en fout. On va virer les scripts. Ça, c'est juste des trucs de démo. De l'asset. Alors on va se mettre sur la scène, pardon, ça dégage. Hop, on save, voilà. Donc on va le mettre sur notre petite scène là tranquillement. Premier problème, alors juste, non, non, on va régler. Premier problème déjà, il n'y a pas les bons matériaux, il n'y a pas les bonnes textures. Bêtement, alors je sais pas quel matériau est mis dessus de base. On va voir. Dragon Black Material. Paf paf. En fait, il est. On va voir. On va le mettre en lit.
Universal Render Pipeline. Donc Universal Render Pipeline, c'est le pipeline de rendu qu'on utilise. C'est ça globalement. Enfin, c'est pipeline de rendu, c'est ça qui gère l'affichage. Enfin, dites-moi si je dis des bêtises. Et ce qui nous permet d'avoir, en gros, l'avantage de celui-là par rapport à celui de base. Et de toute façon, c'est celui-là que Unity maintenant nous incite à utiliser. C'est déjà, il y a un meilleur rendu en vrai, qui est facilement portable sur pas mal de supports. Et du coup, là, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on peut utiliser ShaderGraph. Ce qu'on peut pas utiliser avec le pipeline de rendu de base. Et ShaderGraph, on verra pas aujourd'hui, mais probablement sur un autre stream, c'est vraiment bien. Ça permet de faire des shaders de façon vachement simple et c'est assez puissant aussi. Donc vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut comme on veut. C'est de la programmation de shader en graphique. Généralement, j'aime pas la programmation graphique, mais je sais pas, pour les shaders, ça rend bien. C'est peut-être parce que je suis nul juste pour dev des shaders, mais bon. On va pas s'attarder là-dessus. Bon, du coup, on l'a mis en liste, mais en fait, ce matériel, je sais pas pourquoi, il a pas les bonnes textures. Paf paf. De toute façon, on a les bonnes textures qu'on veut ici. Donc, on va bêtement drag and drop. Hein. Hop, paf paf. Je vais aller directement en fait sur le Dragon LP histoire de. Hop. Là, c'est quoi? C'est. Ah, mais non, c'est Saddle. C'est de la merde. Voilà. Hop, le bois D. En fait, les textures ont déjà été. Ah, c'est marrant, il manque. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il manque une partie du dragon en fait. On va voir celui-là. Ouais, voilà, il y a celui-là, il est mieux. Alors, s'il y a des gens sur le stream, dites-moi ce que vous préférez entre les deux dragons. Alors, évidemment, du coup, là, il y en a un qui est tout blanc, mais on peut lui mettre des textures. En vrai, moi, je préfère celui-là. Donc, on va virer celui-là, désolé. Hop, paf. Je fais une bêtise. Ouais, je fais une bêtise. Is ok. J'ai mis le modèle du dragon. Voilà. Donc on va mettre celui-là. Bah ça tombe bien. On va se faire un préfab à nous. In-game. Folder bosses. Voilà. Hop. New original préfab. Et voilà. Donc on va aller dessus. Paf paf. Alors qu'on. Voilà. Donc ça c'est la selle. Oui, que je dise pas de bêtises. Hop. Oups, alors. Même si c'est la selle. Bon, du coup, encore une fois, moi je suis pas un artiste 3D. Donc je suis pas là pour vous apprendre à. Enfin, je suis là pour vous apprendre rien du tout déjà. Parce que. Enfin, c'est pas une responsabilité que je me donne en tout cas. Parce que de toute façon, il y a probablement des gens pour l'instant qui vont regarder qui seront au moins aussi doués que moi. Au moins. Donc. Donc voilà, je suis pas artiste 3D, donc on va pas vous apprendre à faire du texturing, à créer des modèles, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je prends des assets. Là on glisse le matériau qui a été déjà fait par l'asset machin.
Parce que voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Même si c'est très intéressant et vraiment j'aimerais bien apprendre justement, ça me permettra de faire des trucs encore plus indépendamment. Mais pour l'instant, ma formation c'est du développement. Ah oui, d'accord, c'est juste. On va aller sur l'animator. Ah, il n'y a pas l'animator contrôleur dessus. Hop, voilà, paf paf. On a quelques animations sur le dragon. Peut-être un peu trop même. Alors, il y a Lidl. Vous voyez. Bon, de toute façon. On va probablement faire notre propre animateur contrôleur. C'est même sûr parce que, en fait, il y a trop de trucs. Enfin, du coup, l'asset est très bien fait. Hein. Justement, ils ont mis plein de trucs. Ils ont mis justement un truc de un blend tree pour la locomotion. Genre quand ils se déplacent, c'est comme vous savez comme dans plein de jeux, plus on appuie sur le stick, plus on va vite et plus on va vite, plus notre personnage passe de marcher à courir. Et le blend tree, ça sert à en gros fusionner, mélanger les animations pour que ça se passe de façon seamless ou genre plus il va vite. Plus genre au début le personnage est comme ça et puis ça enfin voilà quoi super désolé j'illustre comme je peux voilà désolé ça fait toujours bizarre de fixer plus la caméra qu'autre chose mais vraiment j'essaie de m'habituer c'est vraiment ne m'en tenez pas rigueur et encore une fois n'hésitez pas à interagir donnez vos conseils tout est bon à prendre Juste tenez en compte que bah, je commence. C'est marqué discrètement dans le titre, mais c'est la troisième semaine où je stream. On est toujours très débutant. Ce qu'on va faire, c'est voilà, on va faire directement dans Prefab 6, on va créer un nouvel animateur contrôleur. Pef, 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 là. Dragon Boss. Contrôleur. Voilà. Hop, histoire d'être clair. Entry. On va créer un state qui va être notre idle. Voilà. Et après, en fait, on va voir en fait, en fonction de ce qu'on veut. Donc là, à la limite, je vais faire un animateur de contrôleur vraiment de base. Globalement, ça va être pour l'instant juste attaque 1, 2 et 3, voilà, par exemple. Parce qu'en fait, on sait pas encore ce qu'on va lui faire au boss. Globalement, ces streams-là, c'est un peu de l'impro. Enfin, complètement même. En fait, pour l'instant, vu que je sais qu'on n'est pas beaucoup, évidemment, du coup, c'est beaucoup moi qui vais donner les idées, faire les trucs, tout ça. Enfin, faire les trucs dans tous les cas, oui. Pour donner des idées, vraiment, le but c'est qu'on crée des jeux ensemble, qu'on mettra ensuite sur un itch.io, par exemple, à disposition de tout le monde, ou sur d'autres plateformes si vous voudrez, peu importe. Voilà, là pour l'instant, on fait un petit jeu qui est simple. Voilà, on va faire d'autres petits jeux, on va essayer d'explorer plusieurs genres. On va essayer de faire du multijoueur. Enfin, c'est sûr même, on va en faire. Parce que je connais un petit peu de choses là-dedans. J'ai fait quelques projets en multi. Et aussi, un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi faire des jeux. On va essayer. Soit on va faire jouer tout le chat en même temps, soit moi je vais jouer et vous contrôlerez un truc dans le jeu avec le chat. On verra. On pourra se faire des trucs pas mal.
J'ai pas mal envie de faire d'interaction justement avec vous dans ce stream. Mais bon, ne nous avançons pas trop. Voilà. Je suis bien sur le banc. Non. Voilà. Donc là pour l'instant il n'y a aucune anime, mais c'est pas grave, c'est bien. Je regarde juste vite fait un petit truc. Ouais, ok. Alors. Donc, première chose à faire, on va faire, on va aller dans les scripts, on va faire un script pour le boss. Hop, folder bosses. Alors, on va faire une classe boss, je pense, qui sera, on va essayer de faire un truc général qui marchera pour tout. Genre on va essayer de faire un script où ça marche pour tout. Genre on le mettra sur les boss et ça nous permettra d'activer des patterns, d'activer des trucs machin. Et après on aura un truc spécifique pour les boss pour rentrer les attaques, rentrer. Je sais pas encore comment on va faire, mais on va voir. On va faire ça tranquillement. Donc script boss qui va être directement dessus. Alors, je suis désolé, je vais faire une micro pause. Il faut que, il va falloir que je fasse un petit pips, que j'aille aux toilettes. J'ai pas eu le temps ce matin. Je vais juste vous mettre le. Voilà, paf. On se met sur la scène de pause. Et vraiment, je reviens tout de suite. Il y a même pas le temps du timer, vous inquiétez pas.
Heureux. Alors, désolé pour cette petite interruption. Timing presque parfait. Oula. Là, on va se remettre directement sur Unity. La caméra, par contre, la mise au point faisait de la merde. J'espère que c'est bon, ça va. Bon. Hop. On va du coup faire notre boss. On vire les trucs de base de Unity. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur notre boss? Bah déjà, de façon globalement, il va avoir sa vie. Il va avoir des patterns. Il va avoir un collider. Et en fait, on va voir. On va mettre en Serial Icefield. Serial Icefield, du coup, qui est très pratique. Hein. Hop. HP. On va mettre ça en int pour l'instant. Serial Icefield, du coup, qui nous permet d'accéder à la propriété via Unity. Et. Enfin, via l'inspecteur de Unity. Et du coup, on pourra la modifier. La modifier directement. Sans passer par le code. On va du coup faire un serial icefield. Alors probablement d'une. Alors soit qu'est-ce qu'on fait? Que du coup on a plusieurs colliders qui sont globalement. Alors on va les laisser parce que potentiellement plus tard, on sait pas. Si on a envie, ça nous permettra de faire des ragdolls. Sinon, aussi, on pourra mettre juste un gros collider et en avoir rien à faire. Mais c'est bien d'opti un peu. Enfin, non, c'est pas opti plus que ça, mais c'est bien de faire la chose bien. Donc, soit on fait une liste de colliders. N'a pas besoin. Soit, en gros, je crois, on va faire un script de détection. En gros, on mettra un script sur d'exposition sur tous les colliders, juste en fait. Où genre les colliders feront référence à ce script-là, et comme ça, dès qu'une attaque va toucher un collider, il va toucher le collider, il va récupérer, genre, ah, le collider, à quoi t'es attaché? Et du coup, après, ça accédera au boss et ça lui fera les dégâts, par exemple. Ou autre chose, si on voudra mettre des effets, des stuns, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément besoin des colliders. On va. Par contre, on aura besoin de l'animator. Hop, animator. Avec le pire accent que je viens d'utiliser de ma vie. Animator, voilà. Et en vrai, on va voir. Surtout, en fait, ce que avant de se lancer au pif, qu'est-ce qu'on veut faire en premier? On va voir ce qu'on veut que le boss fasse. Ce qu'on veut qu'il fasse, globalement, c'est déjà suivre le joueur du regard, mais peut-être pas avec un look at. Parce que c'est genre trop. C'est trop le look at en fait. Parce que le look at ça va faire qu'il va forcément suivre le joueur. Donc peu importe la vitesse, il va le suivre. Ça sera absurde. Je pense limite. Il y aura un look at si. Mais il va être désactivé quand on fait des patterns. Comme ça. Et en fait, limite, le look at on l'activera à certains moments. On va voir. En gros, quand le boss fait rien. De toute façon, là pour l'instant, on va faire une IA. Enfin, c'est même pas une IA. On va faire un comportement de boss très simple. Pour l'instant, ce sera des patterns aléatoires qui sont déclenchés. Peut-être avec certaines conditions, voilà. Mais pour l'instant, il n'y aura pas forcément d'intelligence. Peut-être plus tard, on verra. J'ai pas envie de vous promettre de choses, mais peut-être qu'on mettra un behavior tree. Peut-être pas. Je sais pas. En fait, ça sera bien. Pour certains boss, pour celui-là,
C'est pas qu'on s'en fout, mais voilà. Je pense que ce qu'on va faire pour l'instant, c'est genre juste le boss il va suivre le joueur du regard, rester sur place et il va balancer par exemple des projectiles en cône, genre comme ça, comme ce que vous voyez sur le paint là. Donc sur un certain degré. Donc pour faire ça, limite ce qu'on va faire, c'est on va faire un boule. Juste want to follow. On va faire un autre boule. On va dire genre un stuck in place. Parce que vu qu'on veut que ce soit à peu près général, le want to follow, pour l'instant, il va servir à se tourner vers le joueur. Mais peut-être que plus tard, si on a des boss qui se déplacent, bah peut-être que ça sera vraiment pour le suivre. Et du coup, ce sera en fonction de si tu veux want to follow et s'il est sur place ou pas, il y aura des comportements différents. Donc voilà. Donc là, il y aura les deux. Donc on va se mettre en, on va mettre le fixed update. Si vous voulez la différence entre update et fixed update, n'hésitez pas à poser la question. Donc on va dire juste là pour l'instant if want to follow. Bon, on va mettre directement est stuck in place. Hop. On va faire un rotate towards player. Vraiment, les noms, pardon. Peut-être que je vais mettre en void aussi. Les noms des méthodes, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Surtout pour si vous regardez en stream. J'espère aussi, si c'est pas le cas, faut me le dire, que le code est lisible sur le stream en fait. Parce que j'avais pas fait forcément attention au dernier stream. Et bon, on m'a rien dit à propos de ça, mais ça se trouve, s'il y a besoin de zoomer, n'hésitez pas à le dire. Donc on va faire rotate toward player. Alors bêtement, ça va être un up. Ça va être un lookout vers le joueur. Comme on sait de toute façon que c'est un jeu avec un seul joueur, on va directement faire un serialize field sur le transform du joueur. Private transform player transform. Vraiment, ce sera le plus simple pour nous dans le cas de ce jeu. Si on avait plusieurs joueurs, il faudrait surtout pas faire ça, mais là. Donc, hop, on va mettre le rotate toward player. Paf, paf, oui. On va être un lookout. Donc, bon, c'est transform.lookout si je dis pas de bêtises. Oui. On veut donc le target et le up, on s'en fout. Non, on va juste mettre le target. Donc ça va être player transform, up. C'est directement ça, ok. Et juste, on va faire transform.other angles, même local other angles. Égal. Parce qu'on peut pas directement accéder à la propriété x, y, z pour modi en modification. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. En gros, globalement, là, juste, on veut, en gros, en fait, on veut juste que ça fasse une rotation sur y. On va faire ça, c'est plus simple. 0, 0. Voilà, donc là si on fait ça, hop, on va pas oublier de mettre le script sur notre dragon. Je veux juste être sûr. Bah 6, dragon, oui. Donc c'est un boss. On va dire pour l'instant il a 10 HP. Voilà. Ah oui, tiens, faudra qu'on lui mette une barre de vie à nous aussi.
toute façon. Bon, sans ces interactions. Son animateur, voilà. Hop, donc là on était sur le préfab, on va revenir sur la scène. Parce que du coup, le player transform, ça vient du caractère. Excusez-moi. Donc là, globalement, ce qui va se passer, si tout fonctionne bien, je fais start. J'ai oublié un truc. C'est que forcément, ces trucs-là, il faudra les. On les settera dans le code. Pour l'instant, on va mettre un serverless field aussi. Genre, ça, probablement, ça se settera. De toute façon, on laissera le serverless field parce que ça peut être pas mal. Mais ça sera set probablement par des comportements. Surtout, le stack in place, oui. Pour le serialize field, c'est bien. Mais pour le want to follow, on verra. Globalement aussi, pour ceux que ça intéresse, quand on voudra faire suivre le boss, ce qu'on va utiliser, ce sera les nav mesh. Parce que c'est plutôt pas mal. C'est fait par Unity. C'est optimisé, tout ça. On vous verra. Donc, hop. Donc là, hop, si on active les deux, voilà. Donc voilà, juste ce qui se passe. Forcément, c'est un peu ridicule parce que si on va. Oh non, ça va, en vrai, c'est pas si ridicule que ça. T'es sorti de l'écran. Heureusement, c'est cool parce que vu qu'on. Ah, ça marche bien. Sympathique. Vu qu'on a le personnage qui va forcément faire son mouvement en fonction de la position de la souris, bah du coup, on peut toujours se remettre en position, ça c'est cool. Tant que la souris est dans l'écran, bien sûr. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que il ait des patterns et qu'il les fasse, ces patterns. Sans blague. Donc ce qu'on va faire, c'est probablement que je réfléchisse un peu. On va peut-être faire une classe abstraite. Je vais regarder histoire de pas dire de bêtises. Globalement, une classe abstraite, qu'est-ce que c'est? C'est une classe où en gros on définit des méthodes mais pas ce qu'il y a dedans. Et globalement, donc par exemple, qu'on pourra mettre en enfant de cette classe. Donc globalement, on aura par exemple une classe boss pattern qui sera une classe abstraite. Et en enfant de ça, on va avoir genre notre justement. Notre classe par exemple Dragon Pattern et par exemple là, dans Boss Pattern il y aura je sais pas moi attaque 1, attaque 2, attaque 3, j'en sais rien qui seront vides et du coup dans Dragon Pattern on pourra les remplir et dire ah bah attaque 1 c'est ça, attaque 2 c'est ça, attaque 3 c'est ça. Et comme ça ce qui va être pratique c'est que dans ce script là oui celui-là on va pouvoir dire peu importe le boss. Fait l'attaque 1. On sait rien. Et comme ça, l'attaque 1, si elle correspond au dragon, ce sera l'attaque 1 du dragon. Si elle correspond à un autre boss qu'on verra plus tard, peut-être, ce sera l'attaque 1 de l'autre boss, etc. etc. Ça, c'est juste pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc.
Bah on va s'y attaquer directement. Pourquoi excusez-moi. Voilà. Je pense que Pim serait fier de nous, de faire une classe abstraite sur le stream, bien sûr. Donc bosses, on va faire hop, on va l'appeler boss pattern. Alors. Pas en monobehavior, bien sûr. Donc public, abstract. Bon, du coup, ça va juste être des voids hein, pour l'instant. On aura peut-être. On modifiera de toute façon plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment. On fait le squelette du truc. Attaque 1, attaque 2, attaque 3. Hop, et à quoi ça va nous servir? Donc, là, bêtement, on va dire. Alors, vraiment, c'est juste pour du placeholder. Hein. Là, je veux dire placeholder variable. Voilà. Juste, on va mettre un. On va mettre en série les filtres. Un cooldown. Et. Float même. Hop, paf, paf, juste. Voilà, histoire de bien voir le chat, ce serait dommage que je rate tes messages. Last attack time. Voilà, et du coup. Je vais mettre up, placeholder, pattern, trigger. Voilà. C'est juste pour vous dire que pour l'instant c'est comme ça, et c'est juste pour tester que bien tout marche bien. Par contre ça va être important. On va mettre serialize field. Alors non. Pas serialize field. Comment on va faire? On fera un. On fera un énum pour choisir quel boss et quoi. Pour l'instant, ça sera forcément au start, forcément le dragon. Private, boss pattern. Pattern. Voilà. Sauf que pour l'instant il y a R. Tac tac. Bon du coup, juste au start. Donc last attack time égale time.time. C'est comme la dernière fois en fait. Hein. If. Donc. Last attack time moins cooldown inférieur time.time. Non, ça veut probablement rien dire ce que j'ai mis là. C'est plutôt time.time moins cooldown
Ça va être un supérieur. Et du coup, on déclenchera l'attaque. Donc ce qu'on va faire, c'est... Hop. On va faire un folder spécifique pour le dragon. 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 Let's go. Let's go. Je fais un mélange entre Dragon et Let's go. Dragon. Bien sûr, c'est le matin. J'ai bu un café, mais quand même. On va l'appeler Dragon Pattern. Dragon Pattern. 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 Dragon Pattern. Hop. Et du coup, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc, notre Dragon Pattern, il va hériter de Boss Pattern. Et du coup, tu me dis quoi? Tu me dis, c'est moins accessible. Ah oui, parce que je l'ai pas mis en public. Normalement, voilà, là tu dis juste c'est pas implémenté. Donc hop, grâce à Rider, la magie, on dit implémente missing member. Voilà, juste parce que comme ça c'est plus rapide. Alors on va pas mettre un throw mes couilles. Excusez-moi la vulgarité. Je suis très vulgaire. Mais il est ok. Donc on a notre Dragon Pattern. On va le mettre dans le bon namespace. Voilà. Et donc normalement. Je teste. Hein. Voilà, New Dragon Pattern. Bah c'est parfait. Ça, tu dis juste que c'est pas utilisé. Voilà. Donc là, comme ça, on va faire les patterns de notre dragon. Peu importe le boss qu'on aura, ça fera la bonne attaque en utilisant, du coup, en passant par la classe Abstract. Ça, on n'a pas à se faire chier à faire des appels différents de trucs. Désolé. Donc, on va dire l'attaque 1. Qu'est-ce que c'est? Paf. Alors, on va mettre un pub en public directement parce que oui hein. Ce sera plus simple. Public transforme Dragon transforme parce qu'il faut qu'on y accède pour l'attaque. Parce que du coup qu'est-ce qu'on va faire pour être sûr qu'il soit bien en face du perso pour l'instant. Première chose qu'on fait dans attaque 1, on va dire Dragon Transform.lookat. Hop. Et là on va mettre le target après. Dragon Target. Peut-être on aurait pu le mettre dans la classe Abstract parce qu'on aura toujours un Transform Target. Mais bon. Déjà on a la classe Abstract. Et on a le squelette. Lookat, donc Dragon Target. Voilà. Donc ça, c'est tout bête. Ensuite, on va mettre en public. Hop, Object Pooler. Pooler. Qui sera set. Enfin, qui sera set. Limite, on va faire un constructeur à la classe, hein, comme ça sera tout bête, ça sera bien. Donc ça c'est bon. Enfin, de toute façon, c'est sûr, il faut hein, faire le constructeur. Hop, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire. Donc, on veut faire une attaque en cône. Donc en gros. Ce qu'on veut, c'est on a le vecteur de direction
Si vraiment, si vous avez de meilleures forces. Oh putain! Ça m'a fait sursauter. Bah merci beaucoup Alexis Centrin. J'espère que j'écorche pas ton pseudo. Pour le follow, un plaisir. N'hésite pas à dire bonjour sur le chat si ça t'intéresse, tout ça, à participer. Si t'as des choses même à m'apprendre, ou voilà, n'hésite pas. Si t'as des questions, n'hésite pas. Bonjour. Enchanté, Alexis. Je sais pas si je t'appelle Alexis ou Alexis Centrin. Ce que tu veux. Du coup, donc on fait notre Lookat. Donc on veut globalement avoir une attaque en cône comme ça. Magnifique pain. Alex, ok, très bien, parfait Alex. Donc on a notre attaque en cône. Donc on veut que l'attaque 1 ce soit bêtement d'abord on prend ici ça va être la direction du boss et on prend la direction du boss. Le vecteur et en gros on va faire une rotation de vecteur juste de l'angle bah de l'angle minimum voulu. Je sais pas si c'est clair et en gros on va faire là en gros ça va faire ça. On aura un premier vecteur, on va balancer un projectile on va avoir le vecteur avec une petite rotation encore un peu moins. En gros, ça va être 5 lignes de projectiles. Donc, pour être plus clair, on a la direction du boss. On va faire un jet de projectile ici, un jet de projectile comme ça, un jet de projectile comme ça, un jet de projectile comme ça, un jet de projectile comme ça. Et à chaque fois, ce sera le vecteur qu'on changera. Et en gros, ça va être comme ça, comme ça. En gros, ça va être première ligne, puis deuxième ligne, puis troisième ligne, sinon ça va faire un truc bizarre. Juste pour cette attaque. Après, on pourra faire plein de trucs, ça va être marrant. Vous inquiétez pas. Donc, pour faire ça, on va faire. Du coup, on va dire que. On veut lancer une. Que je réfléchisse. Bon, ça va être en gros, ça va être 4 vagues de 5 projectiles, donc on va faire le truc 20 fois. Hop. Du coup, j'espère que tu vas bien, Alex. Je sais pas comment t'as découvert le stream. Si tu cherches, si ça t'intéresse le développement de jeu, si tu connais déjà tout ça, n'hésite pas. Donc, on va faire ça. On va dire, on va faire un vecteur 3. Pour l'instant, on le fait comme ça et on optimisera après. Parce que je sais qu'il va y avoir des calculs qui seront faits plusieurs fois alors qu'il y a besoin de moins les faire. Mais. Vous inquiétez. Même. En fait, non, même. On va faire mieux. On va faire une petite double boucle. Genre. Ça va être 5 par 5, ça va être plus simple. Ça va être sympathique comme ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'abord. Ouais, non, à chaque fois, en fait, on va voir la nouvelle direction. Parce que ça va faire paf, 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 paf. Je sais pas si c'est clair. Donc, on prend. Limite, on va faire les 5 directions directement. Genre, si on fait vecteur 3,
faire une petite liste de vecteurs 3, oui. Directions. Ah, j'ai oublié de mettre dans le stream enfin le point d'exclamation coding style. Mais si jamais vous attendez pas à ce que ce soit incroyable, magnifique, je suis pas là, je suis pas forcément là pour ça. Donc hop, égal new list vector 3. Donc juste on va refaire un for. Là cette fois du coup il y en aura 5. Là à partir de là ce sera le lancement. Launch. Donc on va dire direction.add new vector 3. Et du coup notre calcul ça va être quoi? Enfin notre vector 3 ça va être quoi? Ça va être on va voir si on peut faire un vecteur rotate towards. Hop, juste je regarde histoire de pas vous dire de bêtises. J'espère qu'au niveau du son toujours ça va, qu'au niveau que la musique est pas trop forte, pas assez forte, quoi que ce soit. La musique elle est là pour que ce soit pas trop anxiogène. Donc si on fait un vector 3.rotate towards. Ah ouais mais non. Le rotate towards c'est pas du tout une bonne idée. Parce que on veut pas rotate towards, ça va faire une rotation vers un vecteur. Mais nous on veut calculer le vecteur. Ah, du coup, on va devoir utiliser les quaternions, bien sûr. En même temps, c'est normal. Les quaternions qui sont une façon de gérer les angles et les rotations dans la 3D. Alors, vraiment, on va vous faire un cours là-dessus. on va pas faire ça maintenant. J'espère, si vous connaissez, c'est bien, mais sinon. Parce que globalement, il va falloir rentrer dans des histoires de 4 dimensions géométriques. Ça va me rappeler mes cours de maths. Mais moi, je vais pas apprécier. Donc, on va faire un nouveau vecteur 3 qui va être égal à. Qu'est-ce que je dise pas de bêtises. On va juste mettre quaternion.angleAxis. Du coup, on a notre angle. On va mettre. Bah du coup, ça va être 180 sur 5, on va dire. Juste. Sur 5 fois i. Je vais mettre des parenthèses juste pour que ce soit plus clair. Hop, l'angle, voilà. Et l'axe, notre axe, ce sera l'axe vertical. Donc, vecteur 3.up. Même mieux que ça. Ça va être juste trans même. Du coup, dragon transform.up, parce que c'est mieux que ce soit par rapport au dragon. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Paf, paf. Probablement que ça renvoie pas un vecteur. Ah bah oui, mais du coup, fois dragon transform point forward. Donc bah voilà. Donc globalement, là, ce que ça va faire, c'est ça va nous donner 5 vecteurs
qui sont égaux. Donc si on a... Ah ouais, donc en fait ça va même... En gros, là ce qu'on va avoir, ces trucs-là, ça va être clairement un angle plat en fait. Là ça va être un angle plat, et on aura un tir là, un tir en face, un tir là, un tir là. De toute façon, on verra bien. Donc ça dans la double boucle, ça veut dire on va spawn donc depuis le pool. S'il y a besoin d'explication de ce que c'est un pool, tout ça, n'hésitez pas toujours. Je serai toujours content d'expliquer. On va dire pooler.get pool d'object 0. Toujours notre projectile. Pooler. Point. Non, 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 non. Game object. On va l'appeler current projectile. Current projectile. Point. Get component. Project. Il me semble, oui. Point. C'était launch projectile. Avec. On avait une direction, une vitesse et duration. Bah, c'est parfait. Parce que du coup, notre direction, ça va être. Bah, du coup. Directions. Direction I, non, direction J même. Parce que globalement, ça va faire paf paf paf, paf paf paf, paf paf paf, paf paf paf, etc. Direction J, speed, on va mettre. Bon, après, ça va être 5 et 5, comme ça. Voilà, speed et duration. Ça va être sympathique. Juste, faut évidemment mettre currentProjectile.transform.position égale donc DragonTransform.position. Ça, c'est bon. Et il faut le setActive avant. Donc currentProjectile.setActive true. Alors on pourrait, je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les attaques en IEnumerator, donc en coroutine, pour pouvoir appliquer un délai. On va mettre ça directement, IEnumerator. Donc évidemment là on va avoir des erreurs, c'est normal. J'ai fait un contrôle-clic sur le void. Je veux pas savoir ce que c'est un void, merci, je sais déjà. Non, je. Non, 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 non. Ça, d'accord. Hop. Et là, il y a des erreurs parce que ça dit ça retourne rien. Ah non, même pas. C'est surtout parce que il. C'était pas intégré. Enfin, c'était pas importé. Donc là, on lance notre projectile. On va faire un new, enfin un yield return. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre, en gros, de faire un délai new wait for second. Et on peut pas faire ça, en fait, cette gestion du temps comme ça, on peut pas faire ça sans les coroutines. Enfin, ou si on peut gérer avec le type.time tout ça, mais c'est la manière la plus simple et ça peut c'est opti aussi. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal du coup là avec le yield return, c'est que c'est pas bloquant pour le reste.
Encore une fois, si c'est pas clair, n'hésitez pas à demander. Donc, et bah en fait, va juste falloir qu'on règle 2-3 trucs. Alors là, on va mettre juste return 0. Voilà. Voilà, return nul, comme ça. Tu nous laisses tranquille. Le boss, donc vu qu'on est passé dans des coroutines, ça va être un start coroutine. Bah, pattern. Attaque 1. Et donc on va faire un petit constructeur sur le dragon pattern. Donc on va le mettre en public. Public dragon pattern. Avec. On va mettre en paramètre dragon transform, dragon target. On verra pour transformer ce pour transférer ce constructeur directement sur le boss, mais directement pardon sur la classe mère. Mais là pour l'instant on fait ça comme ça. Et on fait les choses proprement, mais pas trop quand même. On garde les bonnes habitudes. Les bonnes mauvaises habitudes. Ceux qui savent, savent bien sûr. Hop. Et du coup, on va dire this.dragon-transform égale dragon-transform. On met le this pour être sûr que ce soit pas confondu par le compilateur. Hop. Et this.pooler égale pooler. Voilà, et du coup là dans notre boss, il dit ah oh, bah il n'y a pas les paramètres pour le constructeur, du coup on va les mettre. Donc le premier c'est le dragon transform. Donc. Et bah transform. Hein. Transform, player transform, et le dernier bah, c'est object pooler qu'on va en fait on va mettre. On va en avoir besoin, donc on va se réaliser comme ça. Object pooler. Pool. Voilà. Et là, normalement, si on a des boss, on va mettre un petit debug juste pour. Juste pour être sûr. Que c'est bien appelé. Attaque 1. Histoire de voir si c'est notre condition ou si c'est notre attaque qui marche pas, si ça ne marche pas. Et du coup, on va mettre want to follow égale false. Et en fait, il va falloir. Bon, pour l'instant, on va laisser ça. Déjà, on veut voir si ça balance bien les projectiles. Donc, on a notre dragon. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, déjà, limite ça, on va pas le cocher. Il nous manque le pool. Donc, on met le pool et on va dire un cooldown de 10.
Même 5 secondes. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? On a des erreurs sur l'animateur de l'archer. Je veux juste voir sur tour d'attaque. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de receveur. Bon, vraiment, c'est pas des erreurs bloquantes pour ce qu'on veut. On corrigera ça plus tard si on... Là, on veut tester le truc du dragon. Donc là, normalement, au bout de 5 secondes, il devrait attaquer. Ça, quel plaisir. Alors, il y a un petit problème. C'est marrant, hein? Mais c'est problématique. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? Parce qu'on a oublié un truc. C'est ceci. C'est que last attack time égale time point time. Donc là, vous avez vu. En gros, ça a fait plein de projectiles. Parce que de toute façon, en fait, on avait dépassé la taille du pool. Et du coup, on a coché le should expand. Ou déjà, on va en mettre plus parce que on va en mettre 50. Et en gros, même si on dépasse la taille du pool, à partir du moment où il n'y aura plus assez d'objets dedans, on va créer des nouveaux objets. Donc évidemment, si on dépasse, on va essayer de jamais trop dépasser le pool et plutôt de faire en sorte que l'amount to pool soit toujours bon. Qu'est-ce que je veux dire? On va essayer de faire en sorte que l'amount to pool soit toujours correspondant à nos besoins. Et on laisse le should expand au cas où, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Voilà. C'est bien, C'est Oxen Dream, c'est une bonne musique pour un combat de boss, même s'il n'y a pas de combat de boss là pour l'instant. Donc voilà, un premier pattern. Alors on a un petit problème. C'est qu'en fait, on a un problème sur nos directions. Ah oui, parce qu'en fait, on veut. On va faire 180 moins. Enfin, plutôt. On va faire moins 180. Plus ça. Et on va voir ce que ça fait. Alors on attend un petit peu, juste le temps que le cooldown se fasse. Alors c'est peut-être pas moins 180. Moins 90 alors. Bon, il y a un chat qui vient nous dire bonjour sur le stream. Dites bonjour à Seth. Le gros chat qui a vachement maigri. Ah, c'est un peu mieux. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on aimerait. Alors, si mon calcul est pas bon, juste, faut me le dire.
C'est peut-être parce que du coup y a pas, c'était pas en float et non, ça peut pas être ça. On va mettre moins 100. C'est un peu, on fait ça un peu en essai-erreur. Ça passe vite 2 heures pour du dev en fait. Hein. Je pense que. Ah ouais, c'est pas moins 100. Ouais, c'est plutôt du moins 80. Je pense que demain on fera un peu plus du dev l'après-midi, pardon. Histoire qu'on ait un peu plus de temps. Ah, presque, hein. En fait, c'est bête, il suffit de faire 180 sur 5, ça fait combien? Ça fait 36. Donc on veut 36 fois 2, ça fait 72. Dites-moi si je me trompe. Voilà, c'est parfait comme ça. Bon, pour l'instant, les boules sont au sol, voilà. Bon, on a une première attaque. On n'aura pas le temps de faire les animations. On va essayer de faire au moins une autre attaque. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être, bah, je pense, un autre lancement projectile, mais on va faire une petite fonction sin pour la trajectoire. Alors, sur les projectiles. Ah non, 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 gros chat, c'est bien, t'es trop gentil, mais. Mais. Lui, c'est vraiment le chat le plus gentil du monde, hein, mais. Alors, je fais pas de favori. Il a une sœur, je fais pas de favoritisme. Elle est très bien aussi, sa sœur. Très mignonne aussi. C'est juste qu'elle fait un peu plus de bêtises. Gros chat. On perd du temps sur le dev, là, tu sais. Donc, je vais juste regarder une petite fonction sin de sin trajectory function. Alors non, je veux pas les trajectoires physiques. Sin projectile. Position Unity. Voilà, sine wave. On va reprendre ceci. Oh, Samy! J'espère que j'ai pas réagi trop tard parce que je voyais pas le chat pendant 2 secondes. J'espère que ça va en cette matinée. Il est un peu tôt encore. Bon, il est 11h30, mais pour moi c'est tôt. Normalement, franchement, je me lève un peu plus tard que ça d'habitude. Mais on essaye de rentrer dans l'IS Live. Donc, non, mais c'est pour avoir un peu plus de temps aussi, pour pouvoir adhérer un peu plus régulièrement. Bon, bref, j'espère que ça va bien. Là, on est de retour sur. Sur le dev, je sais pas si t'as vu, mais on a rajouté pour l'instant un pattern d'attaque sur le dragon et on va en faire un deuxième. Oula, petite erreur. En gros, là, toutes les 5 secondes, il va faire une attaque en cône de projectile. Il faudrait. En gros, là, j'ai désactivé le suivi. Limite, je peux le mettre. Hein. Mais vraiment, pour l'instant, c'est tout simple. Hop, si je mets want to follow stack in place. En gros, bah, il va nous. Ah, même, ça va être rigolo. Ah ouais, non, ça va pas être rigolo. Ah, c'est pas grave. En gros, voilà, pour l'instant il fait ça.
Là, on va essayer de faire des projectiles qui se balancent en... genre qui font des vagues pour une deuxième attaque. Et comme j'ai dit là que ce matin on faisait du dev jusqu'à midi, bah on va essayer de faire ça en une demi-heure. Mais... c'est pas sûr. De toute façon, peut-être on peut un peu dépasser, hein, bien sûr. Et là, j'ai un gros chat qui m'embête. Mais c'est pas grave. Donc, on va dire. On va faire un énum. Enum trajectory type et du coup droit bon, on va dire affine je sais même pas si ça s'écrit comme ça affine ouais non s'il y a bien deux F c'est peut-être pas une fonction affine mais il y a pas mon... Ah merde! Comment ça, il y a du délai? C'est. Genre, c'est de ton côté ou c'est du mien? Genre, là, il est. On verra. Ok, ouais, t'inquiète, hein, ça c'est normal. Si jamais. De toute façon, là, comme je disais, on va arrêter dans un peu plus d'une demi-heure et on reprendra cet après-midi pour du Sekiro. Hop! Donc, affine et sine. Donc, un petit private void bah du coup on va dire affine traversal. Il y aura probablement moyen d'opti les trucs, hein, mais pour l'instant on va faire ça comme ça. Hop, et affine traversal, ce sera ça. Ce sera même ça en fait. On va faire un switch parce qu'on aura probablement plus de trajectory type que ça. Alors par contre, si je mets pas de variable pour l'enum, ça sera un peu bête. Trajectory type. Trajectory type, on va l'appeler. Hein. Ne soyons pas original. Bien sûr. Hop, trajectory type. Case. Donc affine. Break. Case. Sin. Et en break. Et default, pour l'instant il y a R, mais on va faire un break. Voilà. Hop, et on va faire une autre fonction. Va l'appeler sin traversal. Bon, si mes noms de fonction veulent rien dire aussi, c'est possible. Hein, mais... hop, sin traversal. Je vais juste revoir bien la fonction histoire de pas faire de bêtises. Ouais, c'est ça, on va avoir besoin d'un vecteur 3 position qui sera pris dans le calcul, donc private vecteur 3 pose, on va l'appeler juste. Et donc axis, ça va être notre direction, donc ça c'est bon.
Donc on va dire pause. Pour l'instant, on va juste faire ça comme ça. Égal. Donc transform.up. Delta time fois speed. Ça d'accord. Et donc on va directement. Merde. Transform.position égale. Donc le pose plus direction fois matf.sin. Time. Et il va nous falloir variable de fréquence et une magnitude. Comme ça, on va pouvoir gérer les périodes de la fonction sine. Donc, private float. On va dire frequency et magnitude. En gros, du coup, ce sera frequency, c'est la largeur de notre fonction sine. Et je vais dessiner, ce sera plus clair. Genre, ça, c'est une fonction sine de position. Frequency, c'est la taille comme ça. Et magnitude, c'est la taille comme ça. Ok. Par contre, ça m'inquiète le truc du délai, du coup, je suis désolé, il faudra que je regarde. Mais... Ça. C'est bizarre. Donc, on a dit. Donc, fois la fréquence, ça. Et fois magnitude. Normalement, on est OK. Donc, launch projectile. On va dire du coup, il faut un trajectory type. On va l'appeler trajectory type. Merde, non. Et on va mettre float. Limite, on va mettre directement égal comme ça. De base, ce sera affine et ça va pas tout changer. Pourquoi? Ah oui, bah oui, mais de toute façon, du coup c'est float du coup frequency égale 0.0f. Ouais, c'est bon, il n'y a plus l'erreur là. Et float magnitude égale 0.0f. Comme ça, s'ils sont pas mis, c'est pas grave. Du coup, this point trajectory type égale trajectory type et this point frequency égale frequency. Bon, c'est vrai que du coup le truc de Visual Studio qui fait l'autocomplétion des trucs qui paraissent entre guillemets évidents, ce serait pas mal aussi. Paf paf. Désolé. Donc là on a ça. Bah les secondes, qu'est-ce que c'est notre erreur? Pourquoi? Ah. Il faut mettre en public, très bien. Ok. Bah on va tester. Dans le cast, on va dupliquer ça et du coup on va mettre en sine en fréquence et après on va mettre 1 et 1 juste pour voir, juste pour voir, juste pour voir. Donc là normalement notre perso il devrait tirer des trucs
sinusoïdaux. Oupsi. Il y a un petit problème de direction. C'est peut-être pas up, du coup. Dans projectile. Forward, peut-être. Alors. Ah, petite erreur. Dans le launch, on a oublié de mettre de cette pause. Donc là, pause égale bah, transforme en position. Paf. Faut juste bien faire attention à ce que on set la position avant d'appeler le launch projectile. De toute façon, c'est logique. Voilà. Est-ce que là ça va fonctionner? Sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on a oublié? Pardon. Si vous avez deux. Des suggestions, n'hésitez pas. J'ai failli faire tomber ma tête. Pourquoi? Alors déjà, ce qui est problématique, c'est que on met transform.forward. On veut pas faire transform.forward. En fait, on veut juste directionnel. Parce qu'on n'est pas du tout à l'abri que... Hop. J'ai l'impression que la vitesse augmente. Bon, on a trop de vitesse. On va essayer avec une plus grosse fréquence et paf paf. Peut-être que la fréquence de 1 c'est un peu trop. Ça va peut-être être absurde, hein, là, les valeurs comme ça. On va le mettre plus lent. Et on va le mettre plus longtemps. Histoire de voir ce que ça fait. Peut-être une un petit peu trop grande magnitude. Peut-être une un petit peu trop grande fréquence en fait. On teste, hein, on s'amuse.
Ouais, je crois que c'est vraiment notre vecteur qui est pas bon. Le vecteur là. Si on met vecteur 3 point up, juste pour voir. Juste pour voir, juste pour voir. Alors, c'est bien, mais ça va vers le haut. Du coup, donc là, il faut bien notre direction. On est d'accord. Peut-être que si on met là le up, ça va être bon. Là, on essaye de faire un lancement de projectile qui suit une fonction sinusoïdale. C'est juste que bah, c'est des maths, donc. Alors c'est presque bien. Sauf que là, notre sine, on veut qu'en gros, on veut que elle fasse ça. Et en fait, elle fait ça. Donc ok, en fait ça c'est l'axe, de la sinusoïdale, c'est ça que j'avais pas compris. Donc on va faire comme avec notre dragon pattern ici. On va faire que hop, paf paf sur le projectile. Alors, donc ça c'est notre angle. On veut le faire rotater de 90. La direction et fois. Ah non, ça c'est. Donc ça c'est vecteur 3 point up et fois la direction. Je vais juste mettre entre parenthèses pour nous. Pour que ce soit plus clair. Et là, ça devrait être bon. On va essayer après d'augmenter la fréquence et la magnitude. Alors, il y a juste un petit problème. C'est que ça ne part pas de nous. On va diminuer la speed. On fait des tests. Hein. Speed 1. Mode toi 1. La fréquence même ça devrait augmenter là. Non, 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 du coup, plus notre fréquence est basse, plus c'est lent normalement là. On est presque bon. Hein. On va peut-être un peu augmenter la fréquence du coup. À 5, même mettre à 5, pardon. Donc là, c'est pas pour. Là, on teste sur le joueur parce que c'est plus rapide. Mais ça sera pour un pattern du dragon. Ah, c'est sympathique ça. Let's go.
C'est trop marrant. Ça, quel plaisir. Ouais, c'était juste que notre fréquence était trop peu élevée. On va diminuer un peu la magnitude du coup. On va mettre 0,3. Ah mais regardez-moi ça, c'est parfait ça. Et si je mets un peu plus de speed? Si je mets 2. Bon, évidemment là c'est mis en dur dans le code parce que... Et bah let's go. Ah, du coup ça, on va le reprendre. On va juste le commenter ici et remettre le truc d'avant. Et dans Dragon Pattern, notre attaque 2. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'attaque 2? Limite, ça va être pareil, quasiment, que l'attaque 1. Bon, du coup, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Parce que de toute façon, il nous reste 10 minutes. Là, si on dit que ça fait... Trois cent soixante sur 6 même. Six, pourquoi tu n'aimes pas ça? En galaxie, ça... Ah oui, pardon. Hop, 360 sur 6. Et du coup 6. Et là on va mettre 2 juste pour voir. Et là au lieu de launch projectile comme ça, on met ce launch projectile là. Paf paf. On n'est pas là, c'est pas proche, c'est ça. Direction, du coup, ça fait direction J. Ça fait une direction I. Ah oui, un petit problème. Ah oui, non, parce que. On a inversé, on veut que ce soit la 6 et là que ce soit 2. Donc direction J, c'est bien ça. Bon, voyons comme ça. Ce que ça donne. Du coup, il faut que sur notre boss. On va dire que ça alterne. Donc on va juste mettre un. Toujours dans les placeholder variables, bool, is attack 1, vraiment. If is attack 1. Hop. Donc là, is attack 1 égale false, else on met la même chose,
dit attaque 2. On lance l'attaque 2 du boss. Et voilà, c'est parfait. Donc là, normalement, toutes les 5 secondes, parce qu'on a mis 5 secondes de cooldown, ça devrait faire attaque 1, attaque 2, attaque 1, attaque 2. Là, c'est juste trou. Voilà. Et en espérant que l'attaque 2 marche bien. On va tester. Alors par contre, j'ai peut-être mis un peu trop de durée à l'attaque. Donc là, on va mettre en one to follow comme ça. On va augmenter la vitesse, magnitude, tout ça. Bah, peut-être la magnitude, du coup, on va la mettre à 1 pour voir. On fait des petits tests, hein, parce que c'est rigolo. Hop, on va en mettre 3, parce que vraiment les deux. Les deux là, ils étaient. C'était un peu ridicule. Au moins, ça fait ce qu'on voulait, hein. Les trucs tout autour. En tout cas, ce que moi je voulais, je sais pas si j'étais clair. Ah, là, c'est un peu plus rigolo. Déjà. Si on met one to follow là. Ah, j'aime bien. Ça, faudra que je monte ça à Pim, ça lui plaira. Limite, on va l'invoquer. Est-ce qu'il va arriver? Pimp, pimp, pimp. Undertale, qui a vraiment la meilleure musique. La bataille contre un véritable héros. Plutôt une véritable héroïne. Musique de la run génocide d'Undertale. Je vais pas spoil ce qui se passe pour ceux qui l'auraient pas fait. Mais incroyable ce jeu, incroyable les musiques. Mais bon, vu. Bon, l'invocation n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être qu'il travaille ou qu'il dort. Non, je pense qu'il travaille, bien sûr. Je tente une dernière. Un dernier jutsu. Ah, sinon c'est pas grave. J'ai quand même envie un petit peu. Déjà, on va diminuer la durée parce que c'est trop. On va mettre 1.5. Là. Fréquence, c'était bien. Je vais mettre une magnitude de 1.5. Voilà. Juste pour voir, juste pour voir. Ah merde! Ouais, la durée est beaucoup trop petite. Ok. Ok, on va remettre à 5. Je pensais que ce serait. Mais en fait, vu que c'est pas de la fine là, du coup c'est beaucoup plus. Ça va beaucoup moins long.
Oui. On pourrait peut-être augmenter un petit peu la vitesse aussi. Ah, c'est marrant comme ça. Là, on va faire un petit boulette L, hein, ça va être cool. En vrai. Je vais mettre le one to follow machin. Parce que là, du coup, en fait, vraiment, on a la base pour faire tous les patterns qu'on veut. De projectiles, en tout cas. Limite, on va faire la prochaine fois, on va faire des zones, je pense. Et même, on pourra peut-être faire des petits patterns de zones, de trucs comme ça. Bon, encore une fois, en fait, ouais, comme c'est ancien, il faut mettre plus de durée. Je vais mettre une petite speed à 2,5 pour voir. Peut-être même une durée à 10, voilà. J'espère qu'on aura assez de projectiles. Bon, la vocation marche pas. Je lui montrerai de manière privilégiée plus tard. Ou si ça vous intéresse. Bon, après, j'ai pas envie de puber son truc pour lui s'il a pas envie, mais. Piment a envie de développer un module. Pour créer des sorts généralisés. En gros, qui est la continuation d'un truc qu'on avait fait pour notre projet annuel. Mais le truc, c'était que pour notre projet annuel, c'était lié forcément. En fait, c'était trop lié à notre projet annuel déjà. Et aussi lié à Unity. Et si on faisait pas des trajectoires juste en utilisant des fonctions de maths comme ça. Et du coup, voilà, ça peut l'intéresser. Ouais, franchement, ça c'est bon, c'est un début évidemment. C'est des boules, c'est des trucs, y a pas d'animation sur le joueur. Y a pas de collision, mais en même temps on fait juste les interactions. Franchement, ça va rendre un truc sympa, je suis sûr. Au moins pour ce premier boss. Après, on verra l'inspim. Bah, du coup. Vu que le jutsu d'invocation de Pym n'a pas marché, c'est pas grave. Alors, à moins que vous ayez. Bah, si vous avez des questions, des trucs sur le stream, n'hésitez pas. Mais comme j'avais dit, ce matin là, je streamais de 10h à midi. Donc, on va arrêter tranquillement. Vraiment, à moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas. Ah bah, Pim m'a répondu, il est occupé. C'est ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? On va s'arrêter, faire une petite pause. Je vais aller manger tranquillement. Et on va reprendre à 14h. Pas pour du dev cette fois. Pour du Sekiro. On va continuer ce qu'on avait commencé jeudi. Et donc, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, on est encore quasiment au début du jeu, je pense. On est dans le souvenir, globalement, si vous voyez. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les prochains lives. Il y a un Discord que vous pouvez retrouver juste en dessous du stream. Et donc si le jeu vous intéresse, enfin je veux dire, si me voir moi jouer à des jeux vous intéresse, bah, du coup je vous donne rendez-vous tout à l'heure, cet après-midi. Et si, alors c'est plus du dev qui vous intéresse, comme là, on peut, du coup je vais continuer, je vais dev tous les jours, soit le matin, soit l'après-midi, on va alterner jeu dev en gros. Et vu que le matin c'est un peu plus court, bah on changera. Là ce matin c'était du dev. Et peut-être que demain ce sera l'après-midi. Je verrai, je vous tiendrai au courant sur le Discord. En tout cas, on va essayer d'être régulier. Tous les jours il y aura du dev, tous les jours il y aura du jeu. Et ça va être sympathique. Et on va faire avancer ce petit jeu ensemble. Encore une fois, le but c'est aussi que vous donniez vos idées, si jamais. On essaie de faire un truc un peu participatif, même si c'est moi qui dev. Donc voilà. On va essayer de faire des trucs cool. Je me répète un peu. C'est parce que j'ai faim, bien sûr. Aussi cet après-midi. Alors,
Je vais essayer entre midi et 14 là, entre midi et 2. J'ai reçu un nouveau micro qui donc on va peut-être avoir un meilleur son cet après-midi, à partir de cet après-midi, si j'arrive à bien le configurer. C'est pareil, je vous tiendrai au courant. Donc vraiment, si j'arrive à le configurer là, ce serait génial. Le seul problème, c'est que j'ai pas assez de port USB sur mon PC. Mais pour dev, c'est chiant parce que j'ai besoin de ma souris. Mais pour jouer, vu qu'on va jouer à la manette, ce sera pas grave parce que c'est une manette sans fil. Donc faut que je chope un hub USB. Mais à part ça, tout va bien. Je vous promets rien parce que je sais pas si je vais y arriver d'ici cet après-midi. Mais normalement, on va avoir un micro beaucoup mieux cet après-midi. Et puis après, il manquera. On essaye de level up un peu le stream. Après, il manque. Bon, il y a problème de lumière, le décor. Enfin, je suis en contre-jour, tout ça. Peut-être que je vais décaler mon bureau, histoire que ce soit ce mur-là qui soit derrière et on mettra un peu de décor, mais voilà, on va voir. Bon, bref. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Sinon demain pour ceux qui veulent que du dev. Et bah des bisous, bon appétit à toutes, voilà. Je peux juste mettre, attendez. Voilà, le cooldown bien. Hop. Non, bah non, en fait je suis bête, c'est la fin. Bah du coup, à toutes, pour ceux que ça intéresse. Et des bisous.